Après avoir fait ça, on va faire quoi? Bon, on va sortir d'abord de là pour voir. Voilà, je crois que nous étions un petit peu derrière là. Au moment qu'on est là, là on va revenir ici, on va ajouter un calque. Le calque est déjà fait. Au moment qu'on a fait le calque, nous pouvons directement venir ici et cliquer directement là et aller dans les courbes. Il y aura des courbes comme ça, vous pouvez dégainer ici là-haut, en bas, etc. Là où ça vous chante pour voir directement votre couleur préférée ou bien la manière dont votre image doit être positionnée. Ça dépend de vous. Alors, au moment que c'est fait, vous avez choisi la vôtre, vous laissez directement et vous fermez celui-ci. Alors, après avoir fait ça, on va se positionner ici et on va importer encore l'image selon laquelle on va le faire au fond d'écran. Imaginez que on a passé directement. Un instant, je veux chercher le monument. Voilà, au moment que nous y sommes, on va directement venir ici, prendre directement notre photo qu'on a envie. Alors, puisqu'on est à Dakar, on va chercher directement le monument. Le monument est là. On va appuyer Shift, faire la même chose, grandir directement le monument en tant que tel. Parfait. Encore parfait. Je crois que c'est bon et on va valider ici. Voilà, le monument est là. Et dès que le monument est là, on va déplacer le monument jusqu'à là où on a fait copie quoi. Alors, dès que on l'a déplacé vers là-bas, vous voyez directement le fameux Dakar est ici. Le fameux Dakar est là avec le monument. C'est aussi simple que ça. Je crois que c'est ça notre fameux objectif. Et réalisé, nous voyons directement Dakar et on voit directement ce fameux monument. Alors, c'est pour ça que nous voulons directement travailler. Vous pouvez le faire par vous-même. Sans souci, ou bien aller directement à Derclé, dans l'association de Derclé. Vous pouvez aller directement là-bas, faire ces formations gratuitement, sans rien payer, et là-bas vous aurez directement votre attestation que vous pouvez directement continuer votre existence d'une manière professionnelle. En parlant de ça, j'ai pas oublié de vous souhaiter une excellente année 2021. Je souhaite que toutes mes vœux soient réalisés comme les vôtres. Et j'ai quelques vœux que je voulais aussi les prononcer ici, que vous sachiez. J'en ai franchement envie que ce vœu-là soit réalisé. En premier lieu, la santé. Sans la santé, nous ne pouvons rien faire. En second lieu, que ma propre chaîne soit grandie. Que je puisse trouver plus de 20 fois d'abonnés cette année par rapport à toutes les autres années. La troisième chose, c'est que je trouve du bonheur. Le bonheur consiste directement, pour être clair, à avoir un boulot selon laquelle, si je me réveille le matin, que je puisse aller travailler et revenir chez moi, vivre heureux avec ma famille.
C'est ça mes voeux. Et je insiste que en trouvant un boulot quelque part, cela ne dit pas que je ne serai pas en mesure de enseigner en ligne toutes mes connaissances ou le peu que je peux partager avec les autres. Non, mes voeux, c'est que je trouve le bonheur. Que vous trouvez, c'est que vous me regardez le bonheur, vous aussi. Et votre santé, la mienne et toutes les santé de toute la planète soit la meilleure parmi tant d'autres. Alors, je vous souhaite, mes chers internautes, que je vous considère plus que des personnes qui sont abonnées à ma chaîne. Et je vous respecte. Et toute personne ayant l'intention de en avoir mon numéro Facebook, alors, j'espère que cette vidéo vous aidera à continuer directement à travailler. Mais aussi, espérons que l'avenir nous réserve beaucoup de choses. Que toutes les épreuves que nous traversons de chaque année, de chaque jour de notre existence, nous puissions directement le surmonter. Que Dieu nous accorde d'être parmi les présidents de la République de toutes les différentes nations, que nous puissions être à la hauteur de tous nos pays africains, et surtout que la guerre, la famine puisse disparaître, que nos présidents et nos futurs présidents rêvent une rêve plus ambitieux que d'être au pouvoir éternellement. Alors, c'est ainsi que je termine mes tutos d'aujourd'hui et de vous souhaiter une excellente année de réussite, de joie, de fierté et d'être digne de la famille ou du continent dont nous venons. Mes chers frères et sœurs, je vous souhaite de tout le bonheur de cette année. J'espère que tous les présidents de l'Afrique commencent directement à construire, mais pas à détruire. Et qu'ils sachent que nous ne pouvons pas reculer derrière, que nous devrons avancer vers l'avenir, que notre avenir soit meilleur que celle de nos parents et celle de nos arrière-grands-parents. Mes chers amis, rêvons en grand pour espérer que notre continent puisse changer. Alors, le Sénégal est parmi les pays émergents qui voient directement, qui envoient une image positive à tous les autres pays de l'Afrique. Soyons voir les choses en face et regardons le Sénégal comme notre propre image que nous commençons directement à développer, surtout les pays francophones. Alors, je m'arrête là et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao.